L'islam est la religion qui a été prêchée par tous les prophètes de Dieu. Parce que le prophète Mohammed nous dit, Nahnu ma'ashir al-anbiya dinu na wahid. Nous, l'ensemble des prophètes, notre religion est une. Pourquoi la religion de Dieu est une? Parce que Dieu est un. La vérité salvatrice est une. Le but de la création de l'être humain est un. Le but de l'envoi des messagers est un. Le message salvateur prêché par tous les prophètes de Dieu est un. Non. Donc la religion des prophètes doit être une. Exactement. Alors, le Coran nous montre clairement que si l'on peut parler en termes de variété, il n'y a que deux religions au monde. Non. Imma Shakiran ou Imma Kafour. Claire. Il n'y a que deux religions. Non. Une religion qui est celle de Dieu et qui a connu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans le temps. Et une autre qui est celle de Satan aux multiples facettes. La religion de Dieu invite l'humanité à se soumettre à sa volonté et celle de Satan détourne l'humanité des vouloirs divins. Il n'y a que deux religions. Il n'y a pas de troisième. Il y a quelqu'un qui veut entrer dans la religion de Dieu. Que Dieu soit en lui. Comme c'est un élève, n'aimerait pas que on le filme s'il vous plaît. Voilà, comme c'est un élève. Wow. On lui a donné le micro, il est juste assis là. Et qui a-t-il peur? Question. Et ses parents? Peut-être, on sait jamais. Oui, mais vous savez, je vais lui donner un conseil. Ali ibn Abi Talib, de Allahu anhu, lorsqu'il a crié au prophète Mohammed en tant que dernier des messagers de Dieu, il a rencontré les amis de son père et ils lui ont dit, toi tu as crié à Mohammed, est-ce que tu as demandé l'autorisation de tes parents? Il a répondu, est-ce que quand Dieu a voulu me créer, quand Dieu a voulu me créer, as-tu demandé l'autorisation de tes parents? Question. Donc dans l'affaire de Dieu là, il n'y a pas d'autorisation des parents. D'ailleurs, il n'y a pas, en islam, c'est interdit, il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Claire. Donc bref, dis-moi, respecte sa volonté. Que Dieu la ferme. Ok, il dit, il n'y a pas de souci, il veut venir. On va l'accompagner. Attaque lui. Oui. Passe-lui le micro. Il a le micro déjà? Lève l'index. Les gars, on l'accompagne, s'il vous plaît. Répète après moi. Ash-hadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ash-hadu. Wa ash-hadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasulu. Wa rasulu. J'atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité. J'atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité. Digne d'être adoré. Digne d'être adoré. Excepté Allah. Excepté Allah. Et j'atteste. Et j'atteste. Que Muhammad. Que Muhammad. Et le serviteur. Et le serviteur. Et le messager de Dieu. Et le messager de Dieu. Tu es devenu musulman, on n'a pas besoin de te misser dans l'eau. Une petite quantité te pénètre dans les narines, tu commences à pousser. Takbi! Alhamdulillah. Donc, Abdallah, il est. Mais avant ça, Abdallah, il y a quelqu'un qui t'a vu. Vraiment, tu es éloquent. Il dit, mais c'est converti à l'islam. Takbi! Souma Takbi! Voilà. Abdallah, bismillah, tu as l'honneur. Mais Abidjan vous accueille très bien. Donc voilà. On accueille déjà avec une conversion. Excusez. On va sauver la vie de quelqu'un d'abord. Et puis on revient à vous. Voilà. Frère, sache que tu rentres dans la religion de tous les prophètes. Allah dit dans la sourate 56, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. La shahada que tu vas prononcer pour que notre frère comprenne, elle a toujours été faite par les prophètes qui nous ont précédés. Par exemple, dans la Bible, quand tu prends par exemple 2 Samuel chapitre 17 verset 20 ou 1 Chronique chapitre 17 verset 22, les prophètes disaient quoi pour attester la divinité de Dieu? Ils disaient, je vous le dis même en hébreu, ils disaient Yehovah Hu Elohim Ein Yod. Ça veut dire pas de divinité en dehors de Dieu. Et en arabe, c'est quoi? La ilaha illallah.
Et Jésus lui-même le disait dans Jean chapitre 17. Ordinateur 3. Or, la vie éternelle consiste à ceux qui te connaissent, toi, le seul véritable Dieu. Au texte original, le texte écrit, Fom monos aletinon theos. Hey, il y a pas de Donc c'est à ça qu'on appelle notre frère, à déclarer la phrase qui certifie qu'il est un monothéiste. Donc répète après moi mon frère, si tu es prêt à être un véritable monothéiste. Ah, eh ben, c'est bien maintenant. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah il a créé l'homme. Mais l'homme aussi a créé la femme. Bien sûr. Bon, il y a un homme qui veut se convertir. Il s'est converti. La même dans la nous dit qu'il y a une femme aussi qui veut se convertir. On est très bien accueillis ici. Moi, je pense qu'ils vont installer en Côte d'Ivoire. On est trop bien accueillis ici. Ça, c'est un kit converti. On donne à tous les convertis. C'est-à-dire que ça, c'est en français, c'est le pouvoir de la bonne appuyée. Ça c'est un tapis de prière, ça c'est un courant français. Donc le début, c'est l'imam qui va vous servir, de charger et de partager. Caméraman. Donc pour ma soeur qui veut être une femme vertueuse comme la, notre mère Marie, alayhi salam, on demande à notre soeur de répéter. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. La ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Allahu Akbar. Attaque-moi. Moi, je peux rentrer chez moi. Vous m'avez trop bien accueilli. Ma soeur, quel est le nom que vous aimeriez choisir d'islam? La traduction au français. Je témoigne. Je témoigne. Que tout le monde nous répète après nous. On assiste nos frères, notre frère et notre soeur. Je témoigne que nul ne mérite d'être adoré. Que nul ne mérite d'être adoré. Si ce n'est Allah. Si ce n'est Allah. Et je témoigne. Et je témoigne que Mohammed est son messager. Est son messager. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est le mot là qui vous fait peur. Pour qui ça fait. Attaque-lui. Tu veux te convertir aussi. Attaque-lui. Ah, docteur, il y a quelqu'un qui veut se convertir encore par la grâce d'Allah. Wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Le docteur Abdul Majid a bien voulu m'offrir l'honneur de procéder à la conversion de notre fils, notre frère. Et donc, de par cet honneur-là, nous allons nous adresser à notre fils pour dire que Allah dit ce qu'il veut, mais il laisse dans l'égarement qui il veut. Et celui à qui Allah veut du bien, il dilate son cœur pour lui permettre d'accueillir l'islam. Non. Mais le plus grand bien de ce monde, ce n'est pas de t'amasser de l'infortune. Non. Mais c'est d'être en bonne connexion, en bonne phase avec Allah. Exactement. Et pour être en phase avec Allah. Non. Montrer autrefois que Inna Dina Illallah, l'islam. La voie de connexion à Allah, c'est l'islam. La clé pour entrer dans cette demeure, c'est cette clé-là que nous allons vous donner tout de suite. Il n'y a pas de rituel pour entrer en islam. Non. Il n'y a pas d'argent à dépenser. Ça paraît banal aux yeux des gens, mais c'est ça qui est la vérité. Il n'y a pas de bélier à offrir. Donc l'autre qui est là avec lui, il est lui aussi, vous êtes convertis. Donc vous êtes ensemble. Nous allons prononcer ensemble la parole de salut qui n'est autre que
Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. 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 Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Cela signifie, j'atteste qu'il n'y a point de Dieu, de divinité, digne d'être adoré, si ce n'est à la seule. Et j'atteste que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est son messager. C'est à lui que nous allons nous référer désormais. Vous avez bien compris? À partir de cet instant, aux yeux d'Allah, vous êtes nettoyé de tout péché qui vous liait à lui. Vous êtes comme de nouveau né, vous avez une nouvelle page blanche à remplir. Qu'Allah vous bénisse. Amen. Qu'il vous raffermisse davantage. Amen. Qu'il vous maintienne dans la voie. Amen. C'est bon d'être musulman. Mais il est encore mieux de demeurer musulman. Exactement. Et d'être exemplaire pour que d'autres aussi comprennent l'islam à travers vous. Merci.